Ben, bassiste du groupe The Dust, voilà, j'ai 31 ans. Moi je suis Bertrand, guitariste de The Dust. Je suis Titi, batteur de The Dust. Et j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis 5 minutes. Lolo, chanteur du groupe The Dust, voilà, le plus vieux du groupe. Vieille quoi. La maman de tout, la maman du groupe. The Dust est arrivé après, dites-moi si je dis des conneries, hein, mais, une dizaine d'années de parcours successifs avec les uns et les autres, différents groupes, différentes formations, différents styles, pour arriver à finir tous les quatre pour essayer de rassembler chaque inspiration pour faire The Dust. Voilà. 10 ans de parcours totalement différents avec des styles différents, des influences différentes, un mélange de tout ce qu'on aime dans tous les styles musicaux et pour arriver à essayer de créer une identité à tous les quatre avec tout ce qu'on aime et arriver à faire quand même quelque chose de cohérent derrière. Donc la plupart du temps, oui, c'est Ben qui écrit les textes, même je dirais même à 95%. Et au niveau de la mélodie, on arrive toujours à s'arranger tous les deux, même aussi avec Bertie qui arrive toujours à mettre sa sauce. Mais voilà, moi je suis très très accro au style de chant de Keenan de Tool et aussi de Eddie Vedder de Pearl Jam. Et aussi du chant d'Alice in Chains, ça me porte vraiment. Quoi. Tous les quatre, on porte le mot sur tout, quoi. Musique, parole, chant. Et... Ouais, enfin, c'est un concept assez progressif, en fait, que ce soit pas forcément le chanteur qui écrive les textes. Notamment dans King Crimson, il y avait un membre du groupe qui était pas musicien, qui était juste l'écrivain du groupe. Et qui était crédité sur tous les albums, mais qui n'était jamais sur scène, puisque lui était que écrivain. Et enfin, moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant pour un chanteur, et je trouve que c'est encore
plus magique de voir un chanteur qui arrive à s'approprier un texte qui n'est pas lui, parce que c'est encore plus un jeu d'acteur. Et moi je trouve ça juste génial de travailler avec Laurent sur voilà ce que j'ai envie de faire passer comme émotion et de le voir arriver à le faire. Et moi je trouve ça juste trop bon. Voilà, c'est l'idée justement, c'est d'arriver avec un départ du riff et voilà, et que en sachant que ça doit évoluer avec les autres. En fait. Surtout pas trop élaborer un morceau d'entrée, mais faire une base vachement libre pour que tout le monde y ait son grain de sel. Chacun est son mot à dire. Que chacun ait son mot à dire. Pour recréer un set et se l'approprier vraiment à quatre et essayer de faire quelque chose de vraiment personnel et qui garde une identité forte. Donc pour l'instant pas beaucoup de dates et on aimerait bien commencer maintenant. C'est de faire répète pour tenir notre set le mieux possible et en même temps essayer de le jouer détendu et de créer une atmosphère, pas d'être concentré juste sur nos instrus et juste bien faire nos morceaux quoi. On va essayer de véhiculer les émotions qu'on veut faire passer avec les morceaux. Donc, on va essayer de le faire, créer notre petit monde et d'essayer de le faire partager en tout cas. Ce qu'on veut faire passer, c'est l'émotion qu'on a dans tous nos morceaux. Parce que de l'émotion, on en a beaucoup à revendre. Et on espère bien faire passer tout ça. Il paraît que vous avez des surnoms. Donc Lolo, l'écarisseur de Billot. On a la poutre de Libourne. Dit aussi la miche blanche. La miche blanche. La miche blanche. Tiens à le dire. C'est le moins blanc du groupe, mais il a la miche blanche. Qui est blanc blanche. Et très blanc, par contre. Moi, c'était « T'es toujours sous ». Alors, c'est pas forcément parce que je bois, c'est parce que sur un forum, je m'appelais « Tattoo Your Soul » parce que je suis assez fan de tatouage. Et l'ami Didou s'était fait un grand plaisir de m'appeler « T'es toujours sous » et ça me reste encore de temps en temps chez Lucas de Musique. Je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais on n'a pas fait partie du tout début, mais on s'est raccroché au wagon assez rapidement. Et toujours aussi content que cet assaut retourne sur Libourne parce que c'est des grands moments d'amitié, c'est des grands moments de musique, à notre échelle, forcément amateur, hein, mais malgré tout, voilà, c'est quand même un gros rassemblement de bons musiciens et surtout de bons copains. Et qui fait des super choses dans une super ambiance quoi. Donc nous on est tous, tous au taquet Lucan et pourvu que ça dure.